Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les deux dernières vidéos vous ont également plu malgré le fait que ce soit des rééditions. Et nous continuons sur ce thème d'ailleurs, puisque celle-ci est, comme vous l'aurez compris, une autre réédition, où nous allons parler d'une créature fantastique. Mais avant de vous parler de celle-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement au chaud. Peut-être avec une boisson chaude, qui sait, je sais pas moi, chocolat, thé, café, tisane, enfin toutes les boissons chaudes qui sont possibles d'utiliser pour vous réchauffer. Enfin, c'est selon votre envie du moment. Et puis si vous avez une petite faim, peut-être serait-il utile de prendre quelques petites choses à grignoter. Des petits morceaux de fruits, des cacahuètes, des bonbons, enfin là encore, c'est vous qui décidez. Si vous êtes prêts, bien installés, nous allons pouvoir commencer. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de revenir avec vous sur une créature fantastique qui s'appelle le lobison. Alors elle ne se trouvera pas dans la série Créatures Fantastiques, puisque le lobison est considéré comme le loup-garou argentin. Voilà pourquoi il se trouve dans la section loup-garou. Alors lobison, c'est la traduction française, comme vous l'aurez compris, c'est en Argentine, donc on parle portugais, et là-bas on l'appelle lobisomem. Alors je suis désolée pour l'accent portugais que je n'ai pas du tout. Mais on peut aussi l'appeler sous différents noms. Alors on a lobison, huicho, luison ou luiso en guarani. C'est d'ailleurs l'un des sept monstres de la mythologie guarani. Il serait apparemment le septième fils de Toquerana. On dit du lobison que c'est une créature moitié homme et moitié bête, dont la figure va présenter des similitudes avec notre légende à nous du loup-garou. C'est un mythe très populaire, surtout au Paraguay, en Uruguay, en Argentine et dans le sud du Brésil. D'ailleurs, on pense, et cela a été une dérivée du fait que le lobison est le septième fils de Toequerana, que le septième enfant mâle d'une famille, à sa puberté, pourrait se retrouver à se transformer en loup et donc en lobison. Pour se prévenir de ce qu'ils considèrent une malédiction, beaucoup d'Argentins vont décider, lors de la naissance de leur septième fils, de le baptiser et ou, ça dépend, soit ils font les deux choses à la fois ou une seule, d'utiliser un prénom qui serait signe de bénédiction, comme par exemple Benito. Revenons un peu plus sur sa description, puisque je vous l'ai fait assez rapide, puisque je vous ai dit en gros qu'il ressemblait à notre loup-garou européen, c'est-à-dire moitié homme, moitié bête. Mais rentrons un peu plus dans le détail. On dit de lui qu'il est vorace, hideux, et qu'il dégage une odeur pestilentielle. Et que même certains la qualifieraient plus proche de la goule que du loup-garou. On trouverait le lobison exclusivement en train d'hanter les cimetières et les lieux qui sont dédiés à la nuit ou à la mort. Avec l'arrivée des colons espagnols et portugais, cet esprit donc guarani que je vous rappelle à la base, il aurait peu à peu acquis les traits du loup-garou européen, un caractère mi-homme, mi-bête, chien, loup, ours ou porc, selon l'histoire. La transmission de la malédiction par morsure ou autre procédé, elle aussi serait venue après, ainsi que la fameuse transformation les soirs de nuit de pleine lune ou certains jours de la semaine. Si on en revient plus précisément à la mythologie, qui est l'histoire de départ de notre lobison, comme je vous disais, celui-ci est le septième fils de Toequerana, dans la mythologie guarani. Sur eux a été lancée la plus grande malédiction qui a pu peser donc sur les géniteurs du lobison. Rien que son nom apparemment terrifie. C'est un être qui se situe au carrefour de la vie et de la mort. Et il serait le monstre le plus redouté et le plus détesté des maudits engendros. D'autres mythes vont apparenter le lobison en disant que celui-ci apporte justice et vengeance et châtiment pour ceux qui sont dépassés. On dit aussi de lui qu'il pourrait protéger la flore et la faune, mais que d'autres, eux, dévorent hommes et femmes. Certains vont aller jusqu'à voler des enfants,
siffle et mérode, et que au final, le lobison est plutôt connu pour endommager les choses plutôt que pour aider. Il est donc une créature qui rend la vie impossible. Il s'amuse à jouer avec le destin de l'âme, et malheureusement, celui-ci devient irrémédiable une fois que le lobison décide d'intervenir. On dit aussi dans le mythe que les vendredis et les mardis, alors que les ombres de la nuit commencent à s'emparer des villages et des diverses comtés, le lobison va alors perdre sa forme humaine pour se transformer en un horrible chien, ou selon encore là où a dérivé le mythe, en loup aux dents pointues, et que dans une tentative diabolique, il va chercher un cimetière pour pouvoir aller marcher sur des cadavres, et peut-être aussi s'en nourrir de quelques-uns, on ne sait jamais s'il a un petit creux. À minuit, celui-ci, les yeux écarquillés, partirait à la recherche d'êtres humains pour les mordre et en faire d'autres loups comme lui. Comment il fait ? Eh bien, il s'amuse à faire peur aux gens, il passe sous leurs jambes et il les surprend. Vous vous doutez, à minuit, c'est pendant la nuit, et il morde leurs victimes. Parfois, il leur arrive d'être poursuivi par les chiens ou que ceux-ci aboient, mais par peur ne s'approche pas du lobison. Sachant déjà que, je vous rappelle, une odeur nauséabonde l'accompagne, je comprends pourquoi les chiens ont tendance à pas vouloir trop s'approcher de celui-ci, en plus de son aspect qui doit pas être très agréable non plus. Et je peux comprendre aussi, si certains hommes l'ont croisé, que son apparition est plutôt à vous glacer le sang plutôt qu'autre chose. Il termine sa petite promenade nocturne à l'aube, où il redevient humain. Il a alors l'air sale, fatigué, louche, il a mal un peu partout et il a les cheveux en bataille. Au final, les gens ne savent pas vraiment s'ils doivent s'apitoyer sur lui ou tout simplement avoir peur de lui. Parce qu'ils ne savent pas en fait, ils sont toujours dans le doute, est-ce que cette personne est un loup ou non. Tout ce qui est sûr, c'est que dans certaines régions, c'est un loup-garou qui est très redouté, surtout à cause de ses habitudes atroces. Il est capable de faire perdre à l'homme sa condition humaine, en le transformant en bête ou même en démon. Il dévore la chair des morts et l'âme des vivants. Les Guarani eux-mêmes ne connaissent pas plus grand malheur que celui-ci. Le mythe déclare qu'à sa naissance, le lobison a fait briller dans les cieux toute une formation d'étoiles qui est plus connue sous le nom des sept chèvres. Et sa naissance et le fait que cette étoile brille autant aurait été un signe que la malédiction qui pesait sur le couple To et Kerana était levée. Mais malheureusement, celle-ci est passée à leur enfant. Toujours selon la mythologie des Guarani, ce monstre et ses six frères parcourent la terre. Si on parle un petit peu des légendes, on a parlé de la mythologie, donc ce qui a donné naissance au lobison. Maintenant, on va parler des légendes et des possibles personnes qui auraient aperçu un lobison. Tout d'abord, sachez qu'au Paraguay et en Argentine, il est d'usage depuis le 19e siècle que le président de la nation lui-même soit nommé parrain du 7e fils d'un mariage qui est consolidé sous les mêmes coutumes. C'est une coutume irrégulière, mais elle est due au fait que des personnes plutôt superstitieuses, eh bien, par peur que celui-ci puisse se transformer en lobison, il leur arrivait de sacrifier leur septième fils. Je vous laisse imaginer, je ne vais pas vous donner des détails sur comment ils sacrifiaient celui-ci. Ils avaient vraiment trop peur, c'était ça, hein, la seule raison, c'est qu'ils avaient trop peur qu'il y ait une simple possibilité que leur enfant puisse se transformer en loup la nuit, ou à certains jours, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. Si c'était un enfant prématuré, on ne l'appelait pas le lobison, mais un lobisette. Et donc, dû à cela, le président a décidé d'abord de façon informelle, jusqu'en 1907, de devenir officiellement le parrain du septième fils. Comme ça, il n'y aurait plus de sacrifice de peur que l'enfant devienne un lobison. Il existe même des documents qui indiquent que cette année-là, il y a eu le premier baptême officiel avec notre fameux président de la nation qui était le parrain. Dès le 12 mars 1973, le président Juan Domingo Perón va décider à ce qui était, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt informel, c'était plutôt une habitude pour sauver
les enfants d'un sacrifice horrible pour rien et pour une légende surtout, eh bien ce président va passer de l'informel à une forme totalement formelle juridique. Il va faire de cette coutume un décret qui sera le décret numéro 848 que l'on appelle la loi présidentielle sur le parrainage. Ce décret prévoit également de fournir des bourses complètes pour ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire de l'enfant. Et il précise également que ce parrainage ne crée pas de droit ou d'avantage de quelque nature que ce soit au profit du gendre ou de ses proches. Donc vous voyez que c'est quand même une légende qui est assez vivace, puisque le président lui-même, quelque part, fait perdurer cette légende sans le vouloir, et quelque part, c'était plutôt même dans un bon sens qu'il a décidé d'agir ainsi, puisqu'il voyait trop de jeunes enfants être sacrifiés juste pour quelque chose qui n'était même pas sûr au final. Et il a décidé humblement, parce que moi je trouve ça très humble de sa part, pour que tout cela s'arrête, de devenir le parrain de tous ses enfants pour pouvoir les sauver. Et moi je trouve que c'était une très bonne initiative, et maintenant que celle-ci soit devenue officielle et qu'elle ait un décret juridique la concernant, ça prouve l'enracinement total de cette légende. Et bon, si cela permet de sauver des enfants, c'est une très bonne idée d'avoir fait ce décret. Il y a aussi, à part le président donc du pays qui maintenant peut sauver ces fameux enfants qui étaient voués au sacrifice, des personnes qui témoignent qu'ils auraient vu ce fameux loup-garou. Il y a surtout trois témoignages un peu plus distincts les uns des autres, et après on a juste une ou deux petites histoires d'une petite ligne comme ça. Alors le premier témoignage, il s'est déroulé le 22 juin 2000. Il est dit qu'un loup-bison aurait importuné une famille dans la ville de Perremo de Concepción, si je le prononce correctement, en Argentine. Ce sont des fermiers qui auraient surpris celui-ci en train de poursuivre un de leurs fils. Ils ont réussi à le contrôler et à taper celui-ci avec des briques, des bâtons et des binettes. Enfin bref, ce qu'ils avaient à portée de main. Ensuite, ils ont attaché le loup-bison à un arbre et ils l'ont laissé pour mort. Mais il ne l'était pas, car selon leur dire, il serait revenu à la vie. Et il a disparu. La police fut appelée et elle est partie donc sur les lieux où tout cela s'est passé. Elle a recueilli les armes utilisées donc pour taper sur cette fameuse bête qu'ils disent être le loup-bison. Et ils ont pu apercevoir qu'il y avait des poils et du sang sur celle-ci. Pour être sûr, ils décident d'envoyer tout ceci à un laboratoire pour faire des analyses. Lorsque les analyses sont faites, il a été constaté que le sang qui était sur ces fameuses armes n'appartenait à aucun groupe sanguin humain. La deuxième histoire la plus connue s'est déroulée en octobre 2004. On est dans la province d'Entre Ríos, en Argentine, et c'est un fermier qui va voir cette créature. Il la voit en train de rôder dans sa ferme et qui s'amuse à tuer ses poulets. Il dit que c'était une créature bipède avec un pelage jaunâtre d'une longueur considérable, des mains griffues et qu'elle a même laissé une empreinte mi-animale, mi-humaine. Là encore, la police fut appelée après ce qui s'est passé. Elle a analysé la scène et elle a retrouvé des poils. Elle a aussi vu les fameuses empreintes ainsi qu'une griffe qu'apparemment la bête aurait perdue et qui ont été envoyées à analyse, mais là, nous n'avons pas les résultats. Et la dernière plus connue, on va dire, parce que ce sont les trois apparemment les plus connues dans le pays, elle s'est déroulée en 2009. C'est un Argentin qui raconte qu'une nuit, des enfants l'ont appelé parce qu'ils avaient vu un grand chien noir. Celui-ci faisait le tour de la maison avant de se décider à rentrer. L'Argentin en question va attraper ce, entre guillemets, chien noir au lasso et va l'entraîner dehors pour lui donner plusieurs coups de bâton. Ce qu'il qualifie de chien noir s'est enfui. Et lorsque le lendemain, un homme va prendre le lasso qui a été utilisé pour attraper donc cette bête, nous allons dire, il a remarqué qu'il y avait des traces. Et il a décidé de faire appel à la police qui a fait analyser ces fameuses traces sur le lasso. Lorsque les analyses sont revenues, il a été dit que les traces relevées sur le lasso
provenaient d'ADN humain. Après, il y a de plus courtes histoires. Une, par exemple, s'est déroulée à San Justo, qui est dans la province de Buenos Aires. C'est un adolescent de 16 ans qui assure être tombé nez à nez avec le lobison. Il le qualifie d'un animal énorme, au cou épais, aux yeux rouges et émettant une horrible puanteur. Et nous avons aussi possiblement une vidéo de ce fameux lobison, car apparemment celui-ci aurait été filmé en 2010 à Espinillo, dans la province de Formosa. Au vu de tout cela, bien sûr, c'est une histoire qui a fait beaucoup parler et donc un personnage, nous allons dire, ou une créature très connue pour généraliser, je sais que ça fait une grosse généralisation, mais on va dire en Amérique du Sud. Et une équipe de télé va s'intéresser à cette fameuse histoire et décider de faire un reportage sur le lobison. Cette équipe de télé, c'est l'équipe de Destination Vérité qui était diffusée sur C5. Ils ont fait quelques recherches sur place, ils ont même été dans un zoo où ils ont pu aller à la rencontre d'un certain, entre guillemets, Carlos, je suppose qu'ils ont dû le renommer pour pas qu'il y ait de problème, qui affirmait lui-même pouvoir se transformer en lobison. Les enquêteurs vont aussi se rendre à San Ignacio, qui est un lieu où celle-ci aimerait bien aller se balader puisqu'il y aurait beaucoup de personnes qui l'auraient aperçu là-bas. Pour enquêter, ils vont installer leur matériel de détection et ils vont équiper l'endroit de différents gadgets technologiques comme vous avez un peu l'habitude avec toutes les émissions qu'il peut y avoir, que ce soit paranormal ou autre, on est habitué à tous ces petits gadgets. En installant tout ça, bien sûr, ils avaient au fond d'eux-mêmes l'espoir que, quand ils regarderaient les rushs, tout ça, de tout ce qu'ils avaient filmé, tout ce qu'ils avaient enregistré, etc., qu'ils pourraient avoir des indices qui prouveraient l'existence de ce cher lobison. Ils vont même aller jusqu'à... Ça, moi, je trouve que c'est aller un petit peu loin, puisque, comme j'avais commencé à vous le dire, c'est qu'ils sont allés jusqu'à prendre avec eux le 7e fils d'une famille qui, comme vous le savez, selon la légende, avait toutes les chances de se transformer en lobison dans l'espoir justement que celui-ci se transforme en lobison devant leur caméra. Vous vous doutez bien sûr que cela n'est pas arrivé et qu'ils n'ont pas non plus eu beaucoup de preuves à se mettre sous la dent sur l'existence de ces fameux lobisons. Comme vous l'avez remarqué et comme je l'ai déjà dit, c'est quand même une légende qui est très incrusté dans l'histoire, surtout argentine apparemment, puisque c'est surtout dans ce pays-là qu'on en parle le plus. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous savez que pour me le dire, vous pouvez aller dans la section commentaires, me dire ce que vous pensez de la vidéo, réagir par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, est-ce que vous croyez que ce lobison existe? Après, dans la mythologie, il existe. C'est dans la mythologie. Après, est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que vous croyez aux témoignages qui ont été donnés par certains habitants qui auraient croisé celui-ci? À vous de me dire tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous avez apprécié tout simplement la vidéo, eh bien, en plus du petit commentaire, le petit like fait toujours plaisir. On va pas se mentir. Et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne ou que vous avez vu 2-3 vidéos, mais que vous n'êtes pas trop sûr de vous abonner, dites-vous que l'abonnement à cette chaîne est totalement gratuit, que vous avez des vidéos assez régulièrement sauf problème comme c'est arrivé le mois dernier, que vous apprenez des choses. Enfin, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des choses sur divers sujets. Après, je sais que tout le monde n'est pas comme cela, mais ceux qui aiment ça, eh bien ça vous fait une raison de plus. Si vous aimez le paranormal, nous sommes en plein dedans, donc vous pourrez apprendre plein de choses en écoutant mes vidéos et découvrir peut-être des histoires que vous ne connaissez pas. Et encore une fois, tout cela pour rien du tout, c'est gratuit. Donc vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner. Et puis si vous voulez être sûr de ne louper aucune vidéo, c'est aussi simple. Vous cliquez sur la petite cloche qui viendra d'apparaître et vous cochez recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée, YouTube vous enverra directement une notification, donc pas besoin de me rechercher, d'aller voir dans vos abonnements, etc. Vous aurez directement une notification YouTube
si ça fonctionne bien sûr, car il arrive, vous le savez, aussi bien que moi que YouTube ait des bugs. Et une fois que vous avez la notification, après c'est au vu du sujet, puisque moi dans le titre je ne mens jamais, c'est toujours le sujet de la vidéo qui fait le titre de mes vidéos. Donc comme ça vous voyez directement, si vous avez la notification vous voyez au titre, si la vidéo est susceptible ou non de vous intéresser. Et pour terminer, parce que sinon je vais encore partir dans des explications pendant 3 heures, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de façon orale en parlant tout autour de vous, ou bien plus moderne, plus informatique, et bien en postant sur tous les réseaux sociaux disponibles, sur un blog, sur un site internet, sur Reddit, en envoyant par mail, enfin toutes les solutions possibles pour partager la vidéo et faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes qui seraient susceptibles de devenir peut-être de futurs bibliothécaires, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette première semaine de reprise à, entre guillemets, tranquille, parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup parlé et que les vidéos ne sont pas si courtes que ça. On va faire ce qu'on peut pour la suite, comme je vous ai dit, il faut que je me remette dans le bain. Donc on y croit, d'accord ? Bon, allez, mes amis, je crois qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !